Bonjour à vous toutes, j'espère que vous allez bien. La Saint-Valentin arrive et voilà ce que je vous propose pour séduire votre Saint-Valentin ou peut-être en trouver un. Voilà, moi ce que je vous propose, c'est dès le matin de vous faire une petite beauté simple. Vous mettez vos plus beaux vêtements, vous faites un beau brushing, chose que je n'ai pas fait aujourd'hui, mais vous faites en beauté. Cet homme-là va vous voir endimanché, joli, etc. Il va vous dire, oh là là, peut-être que ça nécessite une petite sortie ce soir. Bah écoutez, pourquoi pas? On peut toujours essayer, hein. En tout cas, moi je vous propose un petit maquillage, justement, tout simple, avec ma palette dont je vous parle. Donc maquillage, il va suivre. S'il vous plaît, je vous montre un tout petit peu la vidéo. Si vous trouvez que c'est joli, moi je l'appelle Love Love Naturel. S'il vous plaît, bah, je vous laisse regarder la vidéo, sinon je vous présente la petite palette Sleek. Alors, je n'ai pas encore reçu un petit mot avec mon code pour vous faire bénéficier de réduction, donc il faut encore attendre un petit peu. Celle-ci, je l'ai eu moins de 10 euros, puisque je l'ai achetée. Donc, je vous montre les coloris qu'elle a. Alors, moi, je la trouve très jolie. Pour le prix, je la trouve vraiment jolie. Par contre, je trouve qu'il manque une couleur neutre dans les coloris pour faire, vous savez, le haut des paupières. Sinon, en neutre, j'ai un très joli nude avec celui-ci. Avec celui-ci. Deux nudes superbes. Vraiment très très jolies. Elles se travaillent très bien parce qu'elles sont crémeuses. Elles ne font pas de la poudre partout. Ça, moi, j'adore. Sinon, je vous montre. Alors, effectivement, en mat, j'ai un noir. Hein. Ça peut vous servir en aiguineur. Ça, c'est bien. J'en prends alors plein les doigts. J'ai un violet qui est quand même assez foncé. Et un vert très soutenu. Sinon, dans les coloris, j'ai un très joli doré. J'ai un marron qui est superbe parce qu'il est hyper lumineux, un peu rosé. J'ai celui-ci qui est très très joli aussi. En touche lumière, mais quand on met que du mat, il est superbe. Je vous montre celui-là. Je vais avoir ce doigt-là pour faire le rose que j'ai mis aujourd'hui. Et un autre doigt, je vais prendre celui-ci, pour un rose beaucoup plus soutenu. Voilà, moi je la trouve jolie. Effectivement, vous pouvez dire, je n'utiliserai jamais toutes les couleurs. Oui, mais c'est possible, on peut mélanger aussi, hein. On peut mélanger une couleur avec une autre. Dans une palette, il y en a toujours quelques-unes, effectivement, qu'on n'utilise pas. Ou beaucoup moins. Hein. Toujours, il y en a certaines qui sont mieux utilisées, plus utilisées que d'autres. Vous voyez, ils tiennent bien, parce que même en frottant, non, non, ce sont des ombres à paupières que je trouve très, très intéressantes à suivre. Il y aura certainement d'autres palettes pour l'été, donc c'est à suivre. Petit prix et très bonne tenue. Moi, j'aime bien quand même. Voilà, en tout cas, si vous avez envie de suivre ma vidéo pour mon maquillage, eh bien, je vous laisse suivre la vidéo et je vous souhaite une très très bonne journée et une bonne préparation de Saint-Valentin. Au revoir.